Salut tout le monde, c'est Sifano et bienvenue dans ce 12e épisode de Mario Galaxy 2. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le 3e monde. Après avoir vaincu Bowser la dernière fois, c'était un affrontement assez sympa. J'ai vraiment bien aimé le concept, ça changeait, c'était cool. Et donc aujourd'hui on se retrouve au début de ce nouveau monde avec toujours les vies, tout ça. J'ai vu un commentaire assez sympa qui m'a expliqué, enfin j'ai lu plusieurs de vos commentaires étant donné que j'étais en vacances et que donc j'avais enregistré des épisodes d'avance. D'ailleurs j'ai lu certains qui se plaignaient disant tu lis pas nos commentaires, c'est n'importe quoi. Ben vous écoutez pas ceux qui disent ça parce que j'ai annoncé que j'étais pas là et que donc forcément j'avais des épisodes d'avance, donc que je pouvais pas forcément tenir compte de vos commentaires. Donc je me suis bien fait engueuler parce que c'est médaille comète et pas médaillon comète, sauf que je vais pas changer mes habitudes de parler. Même si j'entends ce que vous me dites et que je veux bien essayer, mais je sens qu'au bout d'un moment l'habitude de dire médaillon va revenir. Donc voilà, je suis désolé. Par contre, certains m'ont dit que je pouvais faire une nouvelle attaque. Non, c'est pas ça. Alors comment ils m'ont dit? C'était... Mince. Alors certains me l'avaient dit. Zut. Je l'avais réussi. C'est... Voilà, ça. Parfait, mais alors je sais pas. Ça marche pas tout le temps. C'est vraiment au tout début de la charge. Non. Ouais, enfin, ouais, voilà. Nouvelle petite astuce. Très sympa, merci beaucoup. Et puis on va pouvoir y aller. Épisode qui sera sûrement un peu plus long aujourd'hui, puisque le dernier était un peu court. Donc, on va y aller et on va découvrir tranquillement les prochains niveaux. Alors, oula, un nuage, j'en avais fait. On va aller ici. Tronc sans fin. Mais d'ailleurs, vous voyez, enfin, preuve que j'ai enregistré des épisodes d'avant, je sais même plus si Bowser c'était la dernière fois ou la fois d'avant. Vous voyez, j'ai un trou maintenant, donc faut pas en vouloir, hein, j'avais enregistré tous les épisodes d'un coup. Enfin, bref. Tronc sans fin. Une médaille, excusez-moi. Et deux étoiles. Let's go. On va voir ça. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, une ascension gonflée. Mais dis donc, t'es gonflé de dire ça. Pardon. Alors. Ok, d'accord. Ah, Yoshi, tiens. Ah, Yoshi avec un nouveau fruit. Alors, le dernier fruit, c'était l'espèce de piment. Ça le faisait aller super vite. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Bienvenue dans la galaxie, merci beaucoup. Alors. Boum. Je t'ai envoyé valdinguer, peu cher. Je l'ai complètement défoncé. Hop, je vais déjà récupérer ce qu'il y a en dessous. Ok, zut. Va tout récupérer ce qu'il y a en dessous, si c'est bon. Je sais pas si c'est la bonne méthode pour eux, mais... Yoshi! Mais ça marche. Ah! Ah mais attendez, du coup... Come on! Ouh, c'est perturbant le tronc qui est en haut. Voilà, on récupère tout ça. Je vous rappelle qu'il faut en récupérer plein pour la banque. Alors, où est-ce qu'il y a des ennemis? C'est cool, ça me fait des fragments étoiles. Plutôt pas mal. Et hop, là tu récupères tout. Hop là. Je crois qu'on a fait le tour sur la planète. Du bas. Enfin sur la planète, sur le bas de la planète. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, ça m'a l'air bon. Alors maintenant, en haut, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce fruit. Qu'est-ce que tu me dis toi? Sommet arbre, bien. Ok. D'abord il y a quelque chose ici. On va voir avec Yoshi. Ok, tu peux pas les buter ça. Ah, Yoshi a mal. On va faire sans Yoshi, tant pis. Ah zut. Bon, tant pis, ça aura pas été très fructueux. C'est pas grave, donc on va reprendre Yoshi. Yep, thank you. J'adore la voix. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fruit? C'est bon, miam. Waouh, waouh, waouh! Ok, d'accord. Alors, attendez, le fruit me fait gonfler. Ok, intéressant donc. Est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose? D'accord, là je peux le stabiliser. Ce fruit-là ne fait absolument rien. Non, attrape-le! Bon, ok,
passe par là. On va aller voir tout là-haut direct. Pas mal, pas mal comme gameplay, j'aime bien l'idée. Hop, vas-y, continue de grimper. Attention parce que par contre on est vraiment un gros ballon de baudruche, c'est-à-dire que si on se fait choper, enfin si on rebondit, c'est fini quoi. Bah bon, on va prendre ça, mais j'espère qu'on va pas se faire toucher. Ok. Non. Ok, c'est pas grave. Ça, ça fait quoi? Y a rien. Oui. Voilà, toi tu dégages. On va récupérer ceci. Ok, c'est pas bon, c'est pas bon. On va la refaire. J'ai fait une connerie. C'est pas possible de l'avoir ça? Ça me paraît bizarre quand même. Il a pas voulu. Génial. Il a juste pas voulu planer direct. Bon, c'est pas grave. On reprend. Vous voyez, là, il veut pas tout de suite. C'est trop bizarre. Pourquoi il veut pas tout de suite? Bon, vous savez quoi? Le truc des 6 des points de vie, on ira voir plus tard. Hein. On va aller prendre directement l'étoile. L'étoile, enfin le téléporteur pour la suite, quoi. Qui est donc ici. On va aller voir la suite du niveau. C'est parti. C'est style. Oh oui. Récupère-moi tout ça. Vas-y, vas-y. Bien. Un petit checkpoint. Hop. Ah, ça marche par là. La médaille comète, elle est là. Oui, je me suis retardé. Bon, tant pis pour les pièces, par contre. Tant pis pour les pièces, ça aurait pu m'être utile, en fait. Ah, mais attendez, c'est un véritable labyrinthe, j'avais pas bien vu. C'est-à-dire que si je descends, là, j'ai encore des trucs, ici. Et oui, j'ai encore des trucs, ici. D'accord, le tronçon est un véritable labyrinthe. Je sais pas où ça va, là, ça me fait peur. Oh! Bonjour! D'accord. Je veux une vie, s'il vous plaît. Je veux... Voilà, merci. Je veux une autre vie. Et je veux une autre vie. Yes. Et yes! Bah, c'est un petit triplé gagnant. Écoutez, c'est ce qui s'appelle Perfecto. Ici, est-ce qu'on tente? Mais non, mais rattrape-moi tout de suite, il veut pas me rattraper tout de suite. Il est méchant. Pardon, mais je suis déjà venu en fait là. Attendez. Je viens de faire un tour là, non? Ouais, je viens de faire un tour, c'est ça. Ouais, je viens de faire un tour. Très bien. Voilà à droite. Voilà ici. Non! Bon, on refait le tour. Allez, go. Voilà. Là, on reprend. Ah, d'accord. Il y a ça à récupérer. Ok. Hop. Non. Je suis foiré. Ah, quoique, pas tellement. Faut aller escalader là. Ok, là je me suis foiré. Non, c'est bon. On a fait un retour arrière, c'est pas mal. Hein. J'aime bien l'idée, franchement. Je trouve l'idée sympa. Hop. On va aller prendre celui qui a là. Et le dernier est plus bas, je crois. Plus bas ou plus haut? Il est là. Parfait. Où est-ce que ça nous mène? C'est...
Accroche-toi. Non, tant pis. Ok, on va refaire le tour. Eh bon. Vas-y, grimpe. C'est bon, on s'en sera sorti. Bien sympa niveau gameplay. Ah, j'aime bien quand tu passes dans les feuilles et tout comme ça, c'est très sympa. Vraiment très stylé. Alors, l'étoile est là. C'est perturbant, j'arrive pas à aller vers le centre parce que vu que ça tourne, ça me ramène vers l'extérieur. C'est vachement perturbant. Hop. Et on va direct récupérer l'étoile. Ça paraît bizarre. Non. Ah, reste là, reste là. Voilà, régène-toi. Voilà, c'est ça que je craignais. Il fallait que je gère mieux le truc, c'est pas grave. Viens ici, je suis là. Alors... Mais Yoshi ! Non ! C'est vraiment... Il est vraiment stupide, lui, des fois. Hein. Vas-y, mais ça tourne en plus. Top, 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 top. Voilà, et donc là, tu nous fais un truc comme ça, s'il te plaît. Voilà. Parfait, ça. On va la voir, là, l'étoile. Je la sens bien. Hop. Là, je me suis planté. J'ai retenu un tout petit peu au début. Ça reste d'être short, très short. C'est bon, ça passe. Allez, allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Oui, oui, oui. Et voilà. Parfait. Bon. Premier niveau qui se sera passé tranquillement. Il y a eu un petit peu de mise en route, mais non. Non, ça va, ça a été globalement. C'était assez cool. J'adore la vue derrière, enfin la couleur. En même temps, je suis fan de bleu, vous me direz. C'est normal. 28, eh, j'avais pas capté, on est déjà presque à 30. Pas mal. Médaille comète, parfait, parfait. Top. Bon. Ah ouais, le truc des boues là, ça a l'air sympa. Hein. Mais on ira voir ça plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. Ah, qu'est-ce que tu fous là? Salut frangin, tu ne l'as pas oublié tout de même. Bon, je préfère ça. Au fait, j'ai une grande nouvelle pour toi, je vais t'aider à chercher des étoiles. Si on se croise dans une galaxie, n'hésite pas à faire appel à moi. Moi aussi, j'aimerais bien sauver l'univers de temps en temps. Alors, Luigi. Luigi, 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 dans Mario Galaxy 1... Ok, t'es là. Ça, t'es pas loin. Dans Mario Galaxy 1, il était là, il nous aidait à trouver certaines étoiles. Il nous indiquait l'emplacement de certaines étoiles, il fallait aller le chercher. Là, je sais pas trop quelle va être son utilité, en sachant qu'il avait aussi une grande part dans l'aventure pour le... J'allais dire le 200% de Mario Galaxy 1. Dans le sens où, Mario Galaxy 1, je l'avais fait à 100%, j'avais fait les 121 étoiles. Sauf qu'il y en avait 121 autres qui étaient faisables avec Luigi, mais je les avais pas faites parce qu'en fait c'était les mêmes, mais avec Luigi. Le gameplay changeait juste un petit peu par rapport à sa maniabilité de son corps et tout. Donc voilà, pour le coup, les 242 étoiles se font avec et Mario et Luigi, d'après ce que j'avais compris dans vos commentaires. Voilà, c'est 242 étoiles uniques. Il y a les étoiles vertes qui arrivent après, d'après ce que j'ai compris. Enfin bref, voilà. Donc il y aura ça aussi à aller voir. On ira voir ça en fin d'épisode. On va faire quand même le deuxième niveau de Tronc sans fin. Donc à voir un petit peu ce que ça... Peut-être... Ah bon, je retournerai voir dans les mondes d'avant. Peut-être que du coup, j'ai des étoiles disponibles dans les mondes d'avant. Glissade sylvestre. Oh, glissade sylvestre, s'il vous plaît. D'accord. Waouh, waouh, waouh. Hey, ça a l'air sympa. Bon, par contre, je sens que je vais y laisser des vies. Vous le sentez aussi? Ouais. Bah, c'est pas grave, on est là pour jouer. Tiens, bah non, regardez, il est là, Luigi. Parlez. Hey. Hey, frangin, pas évident de trouver des étoiles, hein. Tu veux que je te remplace un peu? Ah, parfait. Tu veux que je te remplace? Oui, carrément. Cool, donc voilà, c'est ça. Ça va être et avec Mario, et avec Luigi. Donc là, on va pouvoir jouer avec Luigi. Parfait, nickel. Donc Luigi qui... n'est pas forcément plus rapide, mais qui glisse un peu, lui, vous voyez. Hop, il glisse. Très sympa. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, endroit sacré pour nous. Copo, beaucoup de courage. Ouais, d'accord. On va prendre ça. Et on va glimper. Ah oui, parce que toi, t'as pas Yoshi, mon gars. C'est de la discrimination. C'est génial de pouvoir jouer avec Luigi. Moi, perso, j'adore Luigi. J'adore le personnage Luigi. Je le trouve... je suis fan. Enfin, très souvent, moi, je joue avec Luigi. Et non pas avec Mario, donc genre dans les trucs genre Mario Party, Mario Kart et tout. Très souvent je joue avec Luigi. Et c'est très fun et je suis très content de pouvoir le jouer parce que dans Mario Galaxy 1, bah, c'était mon seul petit regret de pas avoir pu vous le montrer.
contre, il a un gameplay un peu bizarre. Mais bon. Et là, ça va pouvoir être le cas, c'est cool. Glisser, pas arrêter glisser, oui. Yop. Bah écoutez, glisser, pas arrêter glisser, on y va alors. Hein. C'est parti, oui. Waouh, waouh, mais tu vas vite. Mais tu vas. Ok, il va très vite, moi je pensais qu'il glissait sur les fesses. Il va très. Eh, mais c'est méga stylé. On se croirait dans un Sonic un peu. Alors les ballons servent à quoi? Ok. Comment tu peux sauter? Eh merde! Eh merde! Bon, c'est pas grave. Mais c'est vraiment stylé! La richesse de ce jeu, c'est vraiment sa diversité, quoi. C'est juste énorme. Je le trouve méga divers. Puis là, voilà, simplement pouvoir faire ça avec Luigi, c'est jouissif, moi, je trouve. Ah, il va à une vitesse! Et c'est quoi ça? Ah! Je peux pas les choper à chaque fois les ballons. Hop! Là-dedans, c'est stylé. Ça se tourne comme ça. J'aimerais bien choper le ballon. Aïe! Ah, ça m'a ralenti, ok. Pas grave. Hop, ça me régénère de toute façon là. Là, te plante pas. Ça devient un peu plus hard là. Oh, les ballons, c'est forcément, on dirait des. Bon, tant pis là. Ah, je peux vraiment tourner à 360. Merde, j'aurais pas dû sauter, désolé. Je peux vraiment tourner à 360 vraiment comme je le souhaite, quoi. Donc, ça, c'est pas mal pour le coup. Bon, allez, cette fois, c'est la bonne. J'ai vu un petit peu toutes les possibilités du gameplay. On est parti! Hop! Top, voilà, parfait. Concentration un petit peu quand même. J'aimerais bien l'avoir cette. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi ça m'a pas tué. Enfin, tué. Pourquoi ça m'a pas fait mal, je suis passé dans la pique. Il se passe des choses bizarres. Et là, on arrête de faire des bêtises, on se concentre. Il n'a pas sauté. Je vous jure, j'ai appuyé avant, il n'a pas sauté. Ah! Au passage, on partage les vies. C'est pas mal. Ça aurait été cool d'intégrer un système. Il me semble que c'était. Non, dans Mario Galaxy 1, je pouvais pas switcher comme ça. Ça aurait été cool d'instaurer un système où vraiment Luigi a ses propres vies. Parce que sinon, pourquoi je peux pas avoir Yoshi par exemple? Enfin, peut-être que je vais pouvoir l'avoir au bout d'un moment en fait. Je suis peut-être très mauvaise langue en disant ça. Mais pour le moment, en tout cas, hein, c'est pas le cas. Bon, on verra bien. Hop, saute. A chaque fois, je me plante ici. On va y arriver quand même. C'est pas dur en plus. Là, tu me fais un saut là. Voilà, merci. Oh, c'est passé. J'allais dire, j'ai sauté trop tôt. On a évité un passage chaud, là. Waouh! Et la musique dédicace dans les premiers Mario, aussi. Une sorte de petit remix. Non! Ah, non, sérieux. Non! Oh, non, faut tout refaire. Je pourrais mettre un petit checkpoint quand même. Ça devient chaud sur la fin, ça devient tendu. Mais la musique fait plaisir, c'est vrai que j'avais pas entendu vu que j'ai le casque sur la tête. Souvent des fois il y a des musiques que j'entends pas, puis après au montage je fais ah mais voilà. J'aimerais bien avoir la vie qui est à l'envers derrière ça, mais ça va être chaud. Aïe. Voilà la vie qui est à l'envers, faut que je fasse comme ça. Non, même pas. Ah, ça me remet pas sur la gravité. D'accord, ok. Bon, on arrête les bêtises. Oui, non, ça fait genre 10 fois que je dis ça. Non, mais attends, on va quand même le réussir, j'ai pas envie de passer la fin d'épisode dessus, quoi. Le début est pas dur. Sur la fin, ça devenait complexe, on est d'accord. Sur la fin, ça devenait un petit peu complexe, quand même. Mais là, ça va. Faut juste suivre le tracé marron au sol, en fait. Et tu sais, si tu es en haut, en bas... Pratique, quoi. Prendre des dégâts, c'est pas grave, parce que tu les récupères instant avec toutes les pièces qu'il y a. C'est juste pas être projeté dans le vide, en fait, qui est dangereux.
saute, voilà. Je pensais que moi, via la gravité, ça allait me remettre sur le sol, là, tout à l'heure. Ça va être chaud, là. Hop. Parfait. Oui. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Enfin, je sais pas, si, je sais comment j'ai fait, mais... J'aurais jamais cru pouvoir esquiver ça. Allez, on arrive. Oui, ah, j'étais vraiment à la fin tout à l'heure. Oh, c'est bon, j'ai réussi. Bonjour, monsieur. Ça symbole le courage. Toi, prendre étoile. Ça symbole de courage. Ça symbolise le courage, plutôt, tu veux dire, non? Un truc comme ça. Hop là, bah parfait. Perfecto. Bon, et pour finir, on va aller voir le petit tuyau. On va aller voir le petit tuyau, ça va être bien. Je pense que ça va être un petit niveau sympa. En tout cas, c'est très sympa de jouer avec Luigi. Ouais, comme ça, ça nous fera 30 étoiles. Fantôme apparu dans la galaxie Tronc sans fin. Fantôme. Genre un fantôme comme sur Trials Fusion. Comment ça marche, le fantôme? Ah, une comète farceuse repérée. Ça y est, ça commence. Moussaillon, la vigie a repéré une comète farceuse. Avec elle, ça ne plaisante pas. Elle transforme les galaxies du tout au tout. Au fait, mon gars, mon petit doigt me dit que t'as récolté un paquet de médailles comètes. Eh bien, figure-toi que c'est ça qui les attire. Oh les cœurs, matelot. Tu peux obtenir une étoile pour chaque médaille comète. On compte sur toi, petit mousse. Alors, on va pas la récupérer maintenant. Eh bien, voilà que tu nous ramènes un copeau maintenant. Un copeau. Ah, ça. Je crois qu'il veut te parler de médaille comète ou d'un truc comme ça. Alors, va le voir, ça lui fera plaisir. Salut, frangin. Figure-toi que moi aussi, je me suis lancé dans l'exploration galactique. Alors, si tu me croises au cours de tes aventures, viens me parler pour que je prenne ta place, ok? A plus tard, frangin. Et à plus tard, Luigi. A plus tard. Alors, on va aller parler au petit gars, quand même. La comète farceuse, on la fera plus tard. Ah, mais j'ai peur qu'elle dégage. J'ai peur qu'elle dégage. Dans les premiers Mario Galaxy, ça pouvait changer. On va peut-être aller la faire maintenant, alors. Salut. Toi, ramasser, ramasser avec beaucoup arrivé. Première fois dans la galaxie, là, toujours un... Ah, d'accord, ok. Superbement utile. Ah non, mais j'avais dit que je voulais faire le... Ah. Et le fantôme, c'est quoi, le fantôme? Deux choses. Fantôme, je sais pas. Mais moi, je veux explorer ça. Je suis désolé, les amis, moi, je veux explorer ce petit truc. La comète, on la fera plus tard. Je sais, je suis incorrigible. Mais on va aller explorer ce petit truc pour finir. What? Genre, je peux tout esquiver comme ça? Comme ça? Ah ouais, non, non, mais c'est... Non, non, alors non. Moi, je pensais que c'était un niveau bonus. C'est un raccourci. Bah alors, du coup, on va faire la comète farceuse. Ce sera très bien. On va faire la petite comète farceuse. Comète farceuse repérée, avec la petite musique. Chaos dans les nuages. Chaos dans les nuages. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Waouh. Les nuages se sont transformés en plateforme bleue. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis en plus, c'est quoi la couleur de la comète? C'est une jaune? Ah non, c'est stylé ça. Non, j'aime bien moi ça. Toujours très sympa. Ça devrait aller. Ah! Alors oui, effectivement, aussi certains m'ont dit, mais Sifano, t'es bête, t'as pas vu qu'ils repéraient tes mouvements. Donc ils font exactement la même chose que toi. Bah oui, oui, c'est vrai, j'avais pas capté vu que c'est des clones. Il y en a à l'infini, les clones! Ah ouais, d'accord, ok, faut vraiment pas que je perde de temps. Bon, ok. Il y en a à l'infini, quoi. Pas grave. Hop, 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 hop. Bon, là-bas, je sais pas où ça mène, mais ça y mène. Ok. C'est bon. Ok. Ça devrait le faire. Ah bah c'est bon, ils ont dégagé. Hop. Voilà, donc ça c'était la première étape. Et en gros, il va falloir aller au bout. Tout le temps comme ça, jusqu'au bout. Ah, je sais pas en fait.
Ils vont me suivre, ils vont faire pareil que moi. Vite. Hop, hop. Voilà, vite, je me déplace. Ça, on s'en sort plutôt pas mal. Eh, l'étoile est déjà là? Sérieux? C'est bon, il a dégagé. Il y avait mon double juste derrière. Hop là, on récupère tout ça. Et let's go, bah voilà. Bah écoutez, ça aurait été plutôt cool. On s'en sera sorti relativement bien pour ce niveau. Juste un petit fail au début, mais ça va. Ce qui nous fait donc 30 étoiles, je crois. Je crois bien, hein, en tout cas. Ouais, c'est ça. 30 étoiles, c'est pas mal. Galaxie terminée. Très bien. Bien écoutez les amis, c'est ici que nous allons nous laisser... Qu'est-ce qui se passe? Nidyoshi. Ah, c'est une vieille... Ouais, ça y est, je peux commencer à revenir dans les anciens niveaux. Bon, ça on fera plus tard. On fera la prochaine fois, la partie était sauvegardée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça me fera plaisir. Et on se retrouve donc très bientôt pour la suite de notre aventure sur Mario Galaxy 2. Allez, ciao tout le monde.